lorsque la REN et Air Paris nous ont proposé ces cycles d'ateliers donc sur l'intégration de l'air dans les plans climat, nous étions nous également dans la réflexion sur notre plan air, à savoir que depuis 2015, donc le plan climat et énergie territoriale de la ville a été adopté donc pour la période 2015-2020 et nous avons lancé un plan air, donc Nanterre en action, en 2016. Donc les cycles étaient vraiment très intéressants et variés, permettaient d'aborder plusieurs thématiques. Après un premier cycle, quoi, un premier atelier de lancement, on a eu un atelier sur tout ce qui était résidentiel et tertiaire, un autre atelier sur la mobilité et là un atelier donc sur la communication et la sensibilisation. La configuration de ces cycles-là permet vraiment un partage des connaissances entre les différentes collectivités, mais aussi un partage des connaissances avec les différentes institutions. Ça permet un petit peu de réinterroger toutes nos fiches actions qui ont été mises en place, leur donner d'autres orientations dans certains cas, et de un petit peu aussi réaffirmer certaines actions par rapport à d'autres. Ça nous engage à continuer dans ce sens-là.